on est en stream. Très bien, ceci est un stream Twitch sponsorisé par Intel, merci à eux, et nous allons tout de suite commencer officiellement le stream en mettant une publicité pour probablement du très bon matos. À tout de suite. Think you can't get a last second clutch? Watch this. Think he can't carry his team while streaming in high resolution? All the while recording a once-in-a-lifetime win? Watch this. Think leveling up only happens in-game? Watch this. On Intel Core i7, they'll rise to every challenge. Now it's your turn. Game, record, stream without compromise on Intel Core i7. Excellent, excellent. J'ai particulièrement envie d'acheter tout ce que je viens de voir à l'écran. En fait, j'ai pas vraiment regardé parce que j'étais en train de prendre mes câbles. Parce qu'en fait, le stream IRL que j'ai fait tout à l'heure avec... C'est bon, là, je peux enfin mieux lire le chat, vous parler. Salut Damstein, Waxal Drillon, Waxla Drillon, pardon, merci. Merci pour vous. C'est vachement bien, Streamlabs, comment dire, OBS, ce qu'ils ont fait avec l'intégration. C'est vraiment cool parce que... Vous voyez, j'ai acheté ça tout à l'heure. C'est un petit boîtier qui permet de charger, en fait. Jusqu'à présent, j'avais du 25 ampères, je suis passé sur du 10. Ça fonctionne ou pas? Faut appuyer, je crois. Ça fonctionne. Putain, je me suis fait influer ou quoi? Ça marche pas. Incroyable, c'est partout. Si c'est noyé dans les bouteilles, ouais, alors ça, on peut le dire. On peut le dire. Putain, j'ai acheté une batterie qui marche pas, j'hallucine. Pourquoi elle marche pas? Putain, ça charge que dalle. Oh, c'est pas possible, je l'ai pas testé avant. Le son est pas cool. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est trop fort, c'est pas assez fort. Ah non, mais en fait, vous m'entendez même pas. Ah non, d'accord, le son vient du... Ok, d'accord, attendez. C'est bon. Let me check this out. Propriété. Microphone. Headset. Très bien, et là, vous m'entendez tout de suite? Beaucoup mieux. Ouais, j'ai... non mais en fait elle est allumée, tu vois, j'ai chargé la batterie. Il y a des trucs. Salut Captain Gluten. Ah oh, putain, l'entube, le câble. Ah, c'est le câble qui marche pas, pourquoi? Putain, j'ai acheté une batterie qui marche pas, j'hallucine. Voilà, je me suis fait entuber. Ah vraiment, j'ai bien fait de l'acheter. Je vais le brancher au PC. Non mais si je fais ça, je vais me faire hacker. D'un coup à se faire hacker. Oh là là, quelle déception. Vous entendez plus le bruit de fond? Ah, parfait. Attention, entrée et sortie. Out. Ouais, mais il y a deux sorties, tu vois. C'est out et out. Tu sais que j'ai été obligé de régler leur C920 parce qu'ils avaient encore une fois mal réglé. Personne ne sait régler les webcams. C'est quand même incroyable, quoi. Tu vois, normalement, quand tu branches, t'appuies et c'est censé marcher. Putain, j'aurais pas dû acheter le premier prix, hein. Fuck! Fucking fuck! Très bien, on va essayer autre chose. Je vais essayer de le brancher comme ça. Interdire l'accès. Bon, tant pis, je le branche sur le truc. Merci Tyrence Roux pour ton sub. Appuyez sur. Ouais, ouais, mais j'ai appuyé sur le bouton power. Ah, faut laisser appuyer peut-être? Attends, je vais essayer de laisser appuyer pour voir. Moi, j'y crois pas une seconde, mais on sait jamais. Ça ne marche absolument pas. C'est un fiasco total. Putain, 17,90€ et j'ai dû payer en espèces en plus. Je suis tellement déçu. Interdire l'accès à mon portable. Voilà. Bon, aujourd'hui, un streamer exceptionnel du coup. J'espère que vous allez bien. Et on m'a proposé du coup de faire des jeux parmi une liste qui était correcte. Et je me suis dit, bah, le jeu qui me paraissait le moins pire, c'était de faire du PUBG. Sauf que... Merci Ulrich pour le sub. Sauf que, en fait, là, on me dit, ah mais non, mais en fait, tu peux te connecter sur Steam, mais en fait, t'as accès à tous les jeux. Donc, putain, si j'avais su, j'aurais ramené ma manette. Le pire, c'est que j'ai une manette à l'hôtel, en plus. Et ici, personne n'a de manette. Parce que, tu comprends, jouer sur PC, c'est beaucoup mieux. Merde, j'ai pas ma soupe-mox. Bon, insérer ici les bruits de rire. Donc voilà, écoutez, on va se faire du Isaac au clavier. Et ça va être très très bien parce que vous savez, jouer au clavier, c'est vraiment mon truc.
Est-ce que vous entendez bien le son du jeu? Bon, on va pas s'emmerder, on va se faire... j'ai le D6, on a qu'à se faire un normal D6. On va se faire un normal D6. Merci à Kugay, Maxix aussi pour le Twitch Prime. Alors, comment ça se joue? Ok. Fais comme si chez you, Isaac, avec les pieds, il joue le clé. Alors, attends. Spell, la Roid Rage. Valeur sûre, un petit stat-up sur tout. C'est quand même bizarre hein, de jouer au clavier. Je vous garantis pas d'être au top de ma forme. Je vais être un poil fort. Ok. Je peux abaisser ça. Est-ce que ceci est mieux? Est-ce que ceci est mieux? Void Rage qui est cool. Oh putain, c'est tellement chaud au clavier! Oh non, mais je vais mourir très vite. Bon, on va peut-être installer PUBG en fait. Hein. Bon, la Void Rage, je regrette rien. Peut-être que se diriger avec le bouton droite, ça serait mieux. Je sais pas. En fait, faudrait limite que je joue au pouce. En fait, je vais tenir mon clavier comme une... je vais tenir mon clavier comme une manette. Parce qu'en fait, je me suis dit, PUBG, ça va être un peu ghetto. Parce qu'il va falloir que... Widow. Ouais, pourquoi pas. Parce que... Merci beaucoup, Inyatima. Tu m'as vu, ouais. Mais en fait, je t'ai croisé, Inyatima. Le problème, c'est que j'avais beaucoup de mal à me connecter. Parce que entre mon mot de passe Steam, mon mot de passe Twitch, mon mot de passe, Twitch et tout, c'était compliqué de comprendre quoi faire. Mais y'a pas de soucis, Inyatima, on se voit tout à l'heure si tu veux. Oh, come on! Run qui commence très très bien. Hein. Nul le doute que je vais finir ce run. Bon, si on meurt dès le premier étage, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que quelque part... Putain, j'aurais tellement dû prendre ma manette. C'est vraiment tellement dommage, quoi. Dommage, hein. Alors, donc ça, c'est de la merde. Donc, si je veux changer, je fais comment? Je fais... 1, pas du tout. 2, pas du tout. Ça, pas du tout, ça, c'est une bombe. Putain. Bon, on va peut-être installer PUBG, finalement, hein. Ça va être le stress d'examen. Ah non, pas du tout. C'est juste que de base, j'ai du mal à jouer au jeu. Alors maintenant, c'est encore pire, quoi. C'est Space. Ouais, mais je crois que j'ai tout changé, moi. Select contrôleur. Comment ça? On peut pas... Pourquoi on peut pas changer les contrôles? Tout à l'heure, on pouvait. Change control. C'est quoi, Space Bar, du coup? Pas du tout. Je vais essayer tous les boutons jusqu'à ce que ça marche. Ah putain, c'est pas possible. Faut le faire en dehors du run. Ah parfait. Encore un jeu parfaitement optimisé. Alors, keyboard. Bombe. Ok. Thème. Ça. Non, l'item, faut que je le mette sur Space. Et puis le card, on va le mettre sur 2. Yes. Ok, ça devrait le faire. Alt F4, putain, Duke Nukem. Ah, parfait. Trop random, petit cap. Belly button. Je vais plutôt le randomiser. Attends, je vais en prendre autre chose. On sait jamais, vu que je vais être handicapé à cause des... Ah, Mr. Jolie, ouais, ça complètement. Oh merde! Je me suis barré. Ah putain. Je me suis barré en laissant ainsi les trois cœurs noirs. Bien... Non, mais c'est parce que j'aime bien m'infliger des défis et l'humiliation permanente, vous le savez. Très bien, je viens de lâcher ma seule. Je suis à combien de DPS? 350 en DPS, c'est pas ouf. Cadence plus que minable. Mais regardez, c'est bon, là, je retrouve des cœurs, je retrouve de la dignité. Tout va bien se passer. Slowdown pour... Non, c'est de la merde.
On va essayer de trouver plutôt une batterie. Bon, je peux pas faire le système de pôle de la dernière fois. En fait, j'ai gâché ma bombe. Ah, c'est là que le reset peut-être fait son sens. Hein. Si seulement j'avais pas de fierté comme ça. Ah, ceci dit, j'ai une road rage pour commencer. C'est quand même pas dégueu comme starter, quoi. C'était trop facile. Ouais, non, mais c'est ça, ouais. Bon, voilà. En tout cas, ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est la seule et unique chose, on va dire, obligatoire avec de très grands gameplays que j'ai à faire à la TwitchCon. La reste du temps, il faut que j'enjoy. Salut, Rondelle. Ah, Rondelle, faut que tu m'aides, là. Hein. Écoute, je suis mal barré dans ma vie. Et encore ça va, je me suis foutu en mode normal. Heureusement que je me suis foutu en mode normal. Attends, on va récupérer une bamba. Tu vois que je vais me faire avoir par des petits mobs comme ça. Faut changer la catégorie. Oh écoute, tu peux le faire du Snookum, il suffit de taper la commande. Point d'exclamation game. Je crois. Et tu mets The Binding avec un espace, The Binding of Isaac. Je crois que tu peux le faire. Oh putain, cette esquive! Qui sait? Run Delirium du siècle, il est peut-être pour maintenant. Ok, pour la spacebar, c'est ok. On va y retourner. Il faut changer la catégorie. Tu peux le faire, Duke Nukem. Est-ce que tu peux taper dans le chat? Alors, Spectral Tears. Bon allez, on prend. Comme ça, il va tirer un peu à ma place. Mais je crois qu'il est pas très très fort. Il m'a déjà sauvé la mise. Alors, il faut que tu le mettes avec des espaces. De Binding of Isaac avec des espaces. Je pense. I think so. Ah voilà, super. Merci, Captain Bluten. Oh ouais, non, parce que là, c'est compliqué. Hein. Là, c'est compliqué. Je n'ai aucune idée de combien de temps ce run va durer. Bon, ce run va probablement durer peu de temps. Qu'est-ce qu'on fait si ça marche pas? Enfin, si je suis trop mauvaise. Oh, come on! Parce que Trials au clavier, je veux bien essayer, mais ça va pas le faire, quoi. Puis le temps de l'installer... Ah mais non, mais même pas! Même pas, parce que c'est pas sur Steam, c'est sur truc là, Ubisoft, Uplay. Ok, 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 Fun guy, pourquoi pas? Parce que j'aurais un health up, un tears up, shot speed down, c'est chiant. Mais bon, ouais, je pense que c'est pas si mal. Ouais, c'est pas si mal, peut-être. Bon, à 352 DPS, mais au moins la cadence, elle est là, quoi. Allez, on se casse. Bon, alors normalement, il y a Gomarezul qui devrait passer à un moment donné. Je sais pas quand, mais à un moment donné. Salut, Sacha Roxa. Très bien. Très bien. Oh putain, la Curse of the Maze. J'ai l'impression d'avoir d'avoir ripé cac. Un plaisir absolu. Un plaisir absolu. Ceci dit, le stuff est pas si dégueu. Pour un deuxième, troisième étage. Voilà. Ça va. Ça pourrait être pire. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, double item. Teleport Isaac to the random room. Non. Alang, tears delay, non. Ça, c'est de la merde. Ok. Coming tears pour le conjoint. Alors, je crois que Little Steven n'est pas super. Je crois qu'il n'est pas très puissant. Il marche, mais il n'est pas très puissant. J'hésite. Little Steven ou pas? C'est pas ouf si tu peux reroll. Bah là j'ai déjà reroll en fait.
Après, on peut revenir tout à l'heure, quoi. Ouais, c'est ça, on reroll plus tard, ouais. Ah ouais, non, mais ça, c'est ghetto, ça. Ça, c'est ghetto, quand tant qu'on n'a pas les spectrales... En fait, on pourrait peut-être s'en sortir... Oh, merde. On pourrait peut-être s'en sortir si on avait une transformation Guppy. Après, bon. Ah, si seulement MV pouvait venir, il pourrait me conseiller. Je crois qu'il est au... il est à une conférence de Twitch... Twitch, c'est pas Sings, mais avec des musiciens, là. J'ai montré tout à l'heure. Blood Donation Machine, c'est hors de question, hein. Ça va de soi. J'aimerais bien la bomber, mais j'ai qu'une seule bombe en stock. Donc, who knows, maybe we've got to... Oh, fuck. We gotta be careful. Ok. Pilule. Range up. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Ah, c'est un Small Rock. Small Rock, ça le fait, hein. En vrai. Je vais avoir un speed down, ce qui est pas ouf vu que je me... Ouais, mais d'un autre côté, c'est cool. Take it, on take it. Parce que là, du coup, je passe à 5-19 de DPS. Small roll, c'est... Oh, Small Rock, c'est quand même cool. Alors, attendez, il faudrait qu'on fasse toutes les salles de façon à pouvoir reroll le truc. Enfin, la salle d'item, quoi, je veux dire. Je fais les feux. Tant qu'on fait, bah tant qu'on y est, on va essayer de tout maxer, tu vois. Typiquement là le petit cœur que j'ai eu, tu vois. Omelette du fromage, salut à toi. Vous êtes combien? Presque 200. Merci à tous. Merci à tous. J'espère que la qualité est globalement correcte. Alors est-ce que c'est ce jeu qui représente le mieux les capacités des ordinateurs Intel? Je ne sais pas. Voilà. En tout cas, c'est très très cool. C'est très très cool qu'il m'ait proposé ça. A noter que c'est sponso, hein. J'ai mis, je crois que j'ai mis le hashtag ad dans le titre du stream. Donc c'est sponso. Hein. Je vais pas pouvoir reroll. Il me manque une seule salle, donc je vais quand même prendre le Little Steven, qui va peut-être faire un peu le taf avec moi. Je me dis que vu que j'ai du mal à me diriger avec le clavier, peut-être que jouer avec... avec un nombre conséquent de familiers, peut-être que ça peut être une alternative, tu vois ce que je veux dire. Ouais, le c'est la salle de boss, mais j'avais... En fait, je préfère pouvoir reroll le boss. C'est ça, le truc. Salut, Samu. Ok. Ah, oh, fuck. Je connais pas ses patterns. Je le vois très rarement, lui, en fait. Ok. C'est lui qui se met à foncer horizontalement, non? Je crois. Pas. Allez, Little Steven, tu donnes tout, là. Ah ouais, parce que Little Steven, il tire à deux à l'heure, quoi. Non, en vrai, il était pas dur. Ah, just... Ok. Ça, je prends. Pas de Devil Deal. Au final, on a le reroll pour le prochain salle d'item. C'est correct. En vrai, on est correct. Reroll shop et deux coupons moins 50. Ouais. On peut tenter, mais... Ça risque d'être complexe, quoi. Elrogi, salut à toi. Qu'est-ce qu'on fait? Par là. Oh non. Attends. Ok. Ça passe. Ça passe. Je sais même pas comment j'ai fait pour m'en sortir. Putain, la taille de mes tirs. Comment ça se fait que j'ai des tirs aussi grandes? Ah, c'est ce que je viens de prendre à l'instant, là. Ah, faut que je fasse gaffe. Très très gaffe. En vrai, je peux potentiellement m'en sortir pour un mom, tu vois. Au-delà de mom, je sais vraiment pas. On va voir. Peut-être que le D6 va me permettre des opportunités intéressantes. Un petit peu comme pendant cette TwitchCon. Bon, j'ai énormément de choses à vous raconter sur des gens que j'ai croisés à la TwitchCon. J'ai rencontré un mec hier. Un pote à Mermaid Unicorn, que MV connaît un petit peu parce qu'il l'a déjà raid, un mec qui s'appelle Wax Wayne Music. C'est un musicien spécialisé en guitare principalement, qui stream avec un setup assez foufou. Le mec, en fait, c'est simple, c'est MV en américain. C'est un des mecs les plus chill, les plus cool, les plus intelligents et posés que j'ai jamais rencontré. Et c'est vraiment une très 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 belle rencontre, quoi.
On a passé la soirée dans un bar avec Mr. Griggles, certains musiciens, des finalistes de Twitch Sims. Et lui. Et ah putain, c'était trop bien. Ce mec, mais vraiment, il est trop cool, quoi. On essaiera de le raid plusieurs fois. Un cousin américain. Franchement, ça pourrait, quoi. Ça pourrait. Tellement chill, mais vraiment, quoi. Et tellement bienveillant et tout. Puis alors, c'est marrant parce qu'il ressemble vraiment à... Il ressemble vraiment à... Merde, putain, c'est chaud, là. Il ressemble vraiment à un bûcheron américain, quoi, tu vois. Très gros, très grand, très baraqué, en fait, tu vois. Et en fait, il est... J'ai pas... avec Tab. Il y avait pas un demi-cœur quelque part, là? Oh, quel enfer. Ok, je reste calme. C'est con parce que j'ai une puissance de frappe qui est quand même pas dégueulasse. Et une salle d'items, non? À aucun moment, non. Oh no, 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 no. Ok. Je le prends ou pas? Non, peut-être pas. Ok. Alors ça, je crois que c'est pas ouf. Je crois que c'est pas ouf. Il monte trop, pas si mal, je crois. C'est un shotgun attaque. On peut le charger, je crois. Ouais, le truc, c'est que là, je pourrais pas reroll encore. C'est nul à chier, Fanny, ah ouais. Ouais, mais c'est ça ou rien. C'est ça ou rien. Batterie dans le shop, ouais, mais c'est trop tard, là. Putain, c'était chaud. Salle d'arcade, peut-être. Peut-être salle d'arcade. Ça, je vais le bomber. Comment on bombe? Avec 1. Pas du tout. Avec 0. Ouais. Ok, le cœur. Je regrette rien. Est-ce que je bombe la donation machine? On peut le faire, hein, peut-être. Ok. Plus de sous, plus de sous. Alright. Alright, alright, alright. On ne pourra pas reroll. Spider Baby, elle est cool. Pff, au point où j'en suis, j'hésite à carrément prendre le cœur. Parce que là, on ne pourra pas le reroll, ça, de toute façon. Ah oui, l'œil. L'œil était pas ouf. Ouais. Ouais, ouais, ça, je sais bien. Il fait très peu de dégâts, en fait. C'est ça, le truc. Donc... Écoutez, hein, j'ai rien d'autre à faire. Spider Baby, elle fait des dommages ou pas? Spider Hacker? Eh ouais, parce que de temps en temps, elle dropera une batterie. Ce qui peut être cool vu ce que j'ai, quoi. Maybe. Maybe, who knows? Ok, bon, 3 cœurs, c'est pas si dégueulasse. Let's try to go back on the top. Ça va leur faire bizarre quand ils vont voir la qualité de la C920. Je vous jure, ils avaient mis des trucs par défaut. C'était tellement dégueulasse. Oh. Attends. On va essayer de chuter. Ok. Ok. Ça passe. Avec la belt. On peut prendre, ça rattrapera en fait le speed de tout à l'heure. Deuxième cœur? Ah, je peux pas prendre le deuxième cœur. Thank you.
incroyable. Mettons en pause, les amis, hein. Mettons en pause ce gameplay improbable pour accueillir deux petites streameuses indé. Bonjour, c'est Marie. Yeah. Moi, je pense. J'étais presque en train de m'en sortir dans ma partie d'Isaac. T'as une meilleure lumière ici. Ah ouais. Mais surtout, ils avaient mal fait les réglages de la webcam. Vous avez tout mis par défaut, ces connards. Mais moi aussi, j'étais dégueulasse. J'étais orange, rousse. C'est un peu moins dégueulasse. C'est moins dégueulasse. C'est pas ouf, mais c'est moins dégueulasse. Ouais, bah t'as pas réglé ta cam. Du tout. J'avais pas le temps, je suis arrivée, il était déjà 20. Tu sais régler les cams, toi, maintenant. Ouais, j'ai appris d'une... Oh, t'as ramené ton Blue Yeti et non, tout. Le box, c'était comme ça, par défaut. Ouais, c'est comme ça. Ouais. Est-ce que vous les entendez, les gens? Est-ce que vous les entendez? Normalement, vous les entendez un petit peu. Il faudra parler un peu fort. Je sais pas. C'est cool de voir ici. Ouais. Qu'est-ce que vous faites du coup là aujourd'hui? Vous avez des tours? Non, non, là les filles sont en train de faire le tour, je pas le soir. Ouais, je suis passée voir. Yelena avait pas l'air. Bah, leur première partie était nulle, mais la deuxième, c'est bon. Il y a 500 000 euros. 500 000 balles. Ouais. Mais travailleurs, genre la dernière team, elle gagne 3 semaines, quoi, un truc comme ça. Non, je crois que là c'est les qualifiers et que en fait c'est pour passer à la finale de ce soir et que là déjà ils ont, s'ils restent en 6ème position, ils ont 2000 balles, je crois. Enfin, j'ai rien compris. Mais il y a beaucoup d'argent, ouais. 500 000 balles pour le tournoi Apex, ouais. Ça me donne envie de jouer à Apex, quoi. Ouais, hein. Trivia, elle est totalement perdue dans le jeu, mais au moins elle risque de gagner 500 balles. Ouais, Trivia, je l'ai vu tout à l'heure, elle était en mode, bon, on a perdu, tant pis. Yelena, elle était. Bah oui, parce qu'elle, c'est son jeu. Ouais. Elle essaie de trop bien faire aussi, peut-être. Du coup là, vous vous baladez depuis ce matin, vous êtes arrivé à quelle heure? Ouais, elle a perdu son badge, ça te mongole. Sérieux? Ouais. T'as pu le refaire? Sur mon badge. Ouais. Mais t'as pas le truc cool en prime? Bah, je l'ai plus. Non, elle peut plus le... Ça, elle peut plus le donner. Ah. Je l'ai plus. C'est jamais qu'elle t'a redonné un badge. Tu voudrais que je te file le mien pour avoir 10 euros de remise? Moi, je veux un café. On est retourné parce qu'elle voulait aller acheter un truc. Ah ouais? Approche-toi un petit peu, je pense pas que j'entends pas. On est retourné à la boutique, une queue monstre. Ah ouais? Déjà, je crois que c'était fermé, tu vois. On entend bien Zul. Ah bah oui, forcément. Mais je parle pas fort. Mais Zul, elle se met comme ça sur le micro, tu vois. Salut les gars, comment ça va? Ah, mais parce que c'est ça le micro de base? Non, le micro. En fait, tu choisis soit tu joues en solo, machin, mais si tu veux inviter des gens, ils ont aussi mis ça. Tu switches la source, en fait. Ah, mais je crois que moi, la source, c'était ça et j'ai jamais. Bon, là, ils t'entendent pas. Ah merde. Non, là, c'est ça qui est réglé. Salut. Bon, ce soir, c'est la soirée papy. Ouais. Margot m'a dit, je rentre pas debout. Ah ouais, moi aussi. J'ai peur, dame. Je vois pas que debout, quoi. Ah ouais. Ah, j'ai peur, hier. Tu veux te la mettre. Non, mais tu sais que hier, je vois, je prenais un verre de vin, je fais putain, demain je suis à midi. Putain, demain je suis à midi. Alors, cette soirée, elle était pas un peu ghetto, là, votre truc, là? Non, en fait, le bar où on allait après, ouais. Donc, c'était super sympa. Ouais. Mais vraiment, ça t'aurait trop plu. Ouais. Et en plus, même là-bas, les verres étaient gratos. Ah ouais. Il y avait une truc Twitch et tout, et les verres étaient gratos. On est arrivé 2 heures après, et puis rien. Ouais, 2 heures après, par contre, ça fermait. Bah non, mais en fait, le problème, c'est qu'hier, hier à la fermeture, j'ai croisé la DJ, en fait, Syntika. En fait, on a commencé à discuter et tout, et j'ai complètement perdu de vue tous les Français. Ils se sont tous barrés. Ouais. Et finalement, je me retourne et en fait, il n'y avait absolument plus personne. J'ai mis une heure à rentrer. Ouais, puis moi, comme d'hab, je regarde pas mon téléphone. Quoi. Non, mais c'est pas grave, je t'en veux pas, tu sais. Mais appelle quelqu'un d'autre, parce que moi, j'ai jamais mon téléphone. Mais je n'ai pas d'amis, j'ai le numéro de personne d'autre. J'ai pas d'amis. Toi, je te connais pas. Je vais rendre le pouf. Tu fais du vlog alors? Mais moi, j'ai voulu streamer et ça passait pas. Pourquoi? Bah, je sais pas. 4G? Ça me paraît bizarre que ça passe pas. La 4G. J'ai du mal à faire un truc. Non, moi j'ai streamé avec mon. Oh, Fanny, coucou! Bon, c'est pas mal, hein, tu vois, avec l'intégration comme ça et tout, c'est vachement plus simple. Ah ouais, j'avoue. Ça, c'est quoi? Ça, c'est OBS Studio 23.1.0. C'est pas la mise à jour d'ailleurs. Il y a une version plus récente en plus. Ah oui, j'ai pas fait la mise à jour moi. Ouais. Là, tu vois, t'as accès à tout, tu vois. Et en fait, si tu veux foutre, par exemple, le chat de ce côté-là, tu glisses des pauses, machin. Ah, je savais pas qu'on pouvait faire ça. La nouvelle version... Et c'est le pop-up du chat. Ouais, la nouvelle version, en fait, est tellement dynamique. C'est trop bien. Ouais. Tu veux foutre ça ici ou là, tu vois. Ah ouais. Tu peux même faire plusieurs onglets, tu vois. Après, tu mimiques, tu switches comme ça. Ah ouais, non, ça le fait, hein. C'est solide, hein. Ça a l'air un peu compliqué, quand même. Non. Moi, j'aimerais bien leur demander de changer de slot. C'est quoi de changer de slot? De changer de le temps où je stream là. Ils m'ont mis à 14h45 demain et t'as le Twitch Sync, t'as
Asseloff, t'as tout pendant que moi je stream. Bah, t'as qu'à annuler ton truc, quelqu'un te reprendra, je pense. Ouais. Parce qu'en fait, rien que quand je suis arrivé ici, t'avais 2-3 personnes qui disaient « Ouais, mais pourquoi on peut pas jouer, machin ?» Ah ouais ? Et le mec disait « jamais vouloir me changer ma... » Ah non, mais je pense, parce que le mec disait « Bah non, parce qu'en fait, les créneaux sont déjà enregistrés depuis plusieurs jours et tout machin. » Je pense que si tu décommandes, surtout aujourd'hui, pour demain, ça va. Si c'était pour dans une heure, ça les aurait fait chier. Ouais. Mais là, je pense que ça va aller. Ouais. Ouais, mais bon, si je stream pas... Après, franchement, c'est cool, ça, c'est une bonne opportunité, tu vois. Ouais, bon, après, y a pas grand monde non plus, tu vois, mais c'est rigolo, quoi. C'est sponsor, quoi. Ah, c'est vrai, c'est 200 balles en plus. C'est, bon, je streamerai demain. Hein, c'est acheté un ruisseau, ouais. J'avais oublié. Ce que je comprenais pas, c'est que je comprenais pas comment ça payait. Je savais pas. Comment quoi? Parce qu'on fait exactement la même chose que la Bergame Studio. Ouais, c'est ça, ouais. C'est avec Intel et tout aussi, sauf que. Ouais. Ah, écoute, je te propose de ne pas en parler maintenant. Ouais, on est en train de teaser. Vive Intel, regardez. Salut Lysiana. Là. Achetez tout ça là. Voilà. Achetez ça de la marque Blue. Ah, ouais. Achetez la cam Logitech. Non, c'est pas ça non plus. La cam Logitech est bien. Oui, mais non. Oui, mais c'est pas la merde. Ah oui, merde. Intel, c'est le PC. Ah, mais c'est pas trop bien. Ce soir aussi, elle est à quelle heure? Parce que ça ferme à 20h ici, je crois. Il y a un bus qui vient chercher. Ouais, qui nous emmène direct. Et je crois qu'il paraît que c'est assez loin. Ouais, c'est au sud de Berlin. Parce que là, c'est dans un hangar et tout. C'est archi stylé là-bas. Ouais, je suis allée voir sur internet. Ouais, c'est sympa. Ouais. Tu sais, il y a un truc pour faire de la chute libre. Ouais, de la chute libre. Ouais. Non, on m'a dit, comme je suis très malade facilement, que si je faisais ça, je vomissais. Oh oui, non, mais moi avec mon dos, moi c'est mort de toute façon, mais c'est pas grave. Donc après, moi je pense que je vais retasser à mon hôtel d'abord pour aller boire des coups, et après je ferai un before. Bah, on va peut-être faire ça, mais moi le problème c'est qu'un before. Mais je suis déjà fini. Le bus vient bientôt, je pense. En fait, il y a 3 bus. Je crois que c'est 19h, 19h30 et 20h. Ou ça. Enfin, il y a une navette. Ouais, il y en a trois, t'as raison. Après, sinon, on peut aussi partager un Uber. Ouais, y aller quand on veut, en fait. Oui, c'est... Bah, 20h. Bon. Parce que ça firme à 20h aussi. Moi, j'ai pas envie d'y aller direct. Moi, je vais me changer. Je vais boire un coup dans mon hôtel. Moi, je me change pas, mais vous avez prévu 56 000 fringues, là. Moi, j'ai pas prévu 56 000 fringues. Moi, je vais pas comme ça. Aussi, je prends un autre coup. T'es bien sapé, là, c'est bon. J'ai mis le coup que j'ai acheté. Ah ouais, j'ai vu ça. Je l'ai acheté aussi, mais je l'ai pas mis. J'ai trop le seum parce que Mintos il m'a demandé de lui acheter et il aurait pu me demander. Ah ça va, ça va, ça va, non. C'est pareil à côté. Non, mais moi aussi, pendant que je streamais, il y avait des gens qui tapaient dans le truc. Comment on va piquer des trucs dans mon box? Ah bah, j'espère pas. Ah oui, elle aime. elle aime j'espère ça. Non, mais non, y a rien à voler ici. Ça se voit tout de suite, sinon. Mais donc, ouais, non, moi demain, je pense que je vais plutôt attendre. Ce soir, je vais plutôt attendre genre 19h, un truc comme ça. Je vais proposer un before et puis voilà. Il est bien ton hôtel? Ouais. Il est très cool. C'est vrai, il est très bien. Ça. Moi, je m'attendais à mieux. T'as vu les photos qu'il y avait? Selon mon standing, on va dire. La piscine, on l'a toujours pas vue. Moi, je pense que ça rend à le même hôtel à bon, il est situé où votre hôtel? Il est près de. Tu sais, il y a 10 minutes. Je suis pas loin du zoo. Il y a un zoo et un aquarium. Nous, on n'est pas loin, tu sais, de là où t'achètes plein de trucs, là, l'espèce d'endroit où. Un centre commercial, tu veux dire? Ouais. Voilà. Mintos, il a des regrets, mais oui, non, mais je lui ai dit 40 000 fois de venir, là il pleure quasiment en live en mode photo. Mais il y a beaucoup. Justement, c'était intéressant parce que juste avant de venir, j'étais avec MV et on discutait dans le lobby de l'hôtel avec des staffs étrangers en fait. Je sais pas exactement de quel pays, américain je pense. Et en fait, ils nous disaient, on a fait sold out donc ils sont contents, tu vois. Ils ont dit, mais par contre, on s'attendait à ce qu'il y ait plus de français. Oui, il n'y a pas beaucoup de français. C'est juste à côté, tu vois. Et il m'a dit, qu'est-ce que vous pensez qu'on aurait pu faire de mieux pour la communication et tout. Et je lui ai dit, mais en fait, votre communication, c'est pas qu'elle était mauvaise. Le problème, c'est que c'était trop tardif. Jusqu'à il y a 3 semaines, il n'y avait pas de planning. Et en fait, je lui ai dit, il y a énormément de gens qui étaient intéressés pour venir, mais en fait, qui attendaient une première édition pour voir ce qu'il y a, pour éventuellement y retourner. C'est vrai que là, on y allait un peu en mode, tu sais pas, t'as assez de l'argent à dépenser. Pour ceux qui sont juste, entre guillemets, viewers ou affiliés, tu vois, c'est de l'argent, tu vois. Ah oui, clairement. On n'a pas des trucs à négocier et tout. Donc, justement, on discutait de ça, c'était intéressant.
là où on achète plein de trucs. Il noie sa peine en Portal. Oui, je l'ai vu à Portal. Mmh. Mais il y a quoi? Il y a 40. Combien il y a de streamers français qui sont. Ouais, mais enfin. Affiliés, partenaires. C'est correct. Moi, finalement, je pensais qu'il y en aurait moins. Ah non, moi, je suis choqué qu'il y en ait si peu. Ah ouais, moi aussi. Mais on est une dizaine. Peut-être plus. Non, moi, j'aurais dit peut-être une quarantaine. Une trentaine. Parce que moi, je connais pas mal d'affiliés en fait qui sont là. Et. Ah, moi je suis étonnée, hein. Ouais. Il y a tellement de Français, le Twitch en France est super important, tu vois, et il y a très peu de Français par rapport à tout ce qu'on voit. Captain Bleuten, tu peux nous remettre en Just Chatting, s'il te plaît? We are just chatting. Ouais, bah justement, en fait, même les staffs s'en sont rendus compte et ils se demandaient. Apparemment, par rapport aux autres gens, on est un pays qui a le moins de partenaires qui sont venus en fait. Alors qu'on est à côté et que. Ouais. Je pense que les Français se méfient beaucoup. Ouais. Et puis c'est pas Berlin ouest, tu vois. C'est quand même le bout de l'Allemagne, tu vois. Je veux dire, c'est pas l'Allemagne juste limitrophe, tu vois. Donc, les Français sont des petits avions et sur place. Ouais, on l'a vu. Ouais. Alors, petit avion fait Apex avec Yamato. Je sais pas ce que ça donne, mais ils sont en train de. Oui, tiens, on les a pas vus. Ah oui, c'est vrai, on n'est pas allé les voir. Je crois qu'Yamato s'est habillé avec son béret. Il a pris un Marcel et une baguette. Ah oui, parce qu'ils étaient The Random French Guys. Random French Guys, c'est ça. Là, ils sont de Random French Team. Ah, je me demande ce qu'ils ont fait, mais vu ce qu'ils prennent déjà Alpha, la team Ayele. Alpha Cast. Oui, Alpha aussi. Ouais, mais j'aimerais bien le rencontrer, ce mec. Bah, il habite à côté de chez moi et que j'ai jamais vu. Il était dans notre avion. Il est au Twitch Rivals, là. Il était dans notre avion. Très bien. Mais voilà, du coup, vous avez regardé un petit peu tout, vous avez fait des conférences. On n'a rien fait. Moi, je viens d'arriver. Ah, tu viens d'arriver? Bah oui. Qu'est-ce que t'as fait alors? Non, je suis arrivée. Je suis allée voir les filles quand même. Et non, j'étais même pas, je sais pas, j'ai pris mon temps et tout, il y avait rien à faire, tu vois. Bon. Les conférences aujourd'hui, c'est. Tu veux te mettre un pain dans la gueule? Non, ouais, j'ai très envie. J'ai très envie de faire un pain. T'aurais pu faire genre. Tu vois, les gens y auraient cru, on se serait fait ban Twitch pour violence et ça aurait été incroyable. Merci Whiskey Blues pour le Twitch Prime, c'est gentil. J'ai pris 15 bains, oui, c'est vrai, il y a un bain dans notre chambre. Alors. Ouais, il est trop bien. Moi, j'ai une douche à l'italienne. Il est immense. Mais par contre, je vais genre, j'ai un bain chez moi, tu vois. Ouais. Mais là, c'est un autre level de bain. Une baignoire. Ouais. Et j'ai pris. Moi, je suis rentrée hier à 2h là. Et j'ai pris des bains. C'était bien. Oh non, merde. Surtout pas. Faut pas faire de. Tu sais qu'à l'étranger, c'est très mal vu de faire des fuck. Tu fais ça alors que t'es sponsorisé par un tel. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que. C'est qu'il y a des drop frames. C'est vrai, en plus, il y a des drop frames. Ah ouais, j'avoue. Tu seras encore longtemps, madame, ou pas? Jusqu'à 16h30. Moi, je lui fais des bisous. Quelle heure il est? Il est absolument pas 15h20, je ne sais pas. Banach Twitch, ouais. Il est 15h, ou encore une heure à peu près. Un truc comme ça. Et là, vous faites quoi jusqu'à la fin de la journée? C'est sur votre question. Moi, je vais faire le tour déjà. L'eau, là, vous avez pas fait le tour? Non. Il y a quoi? Des stands. Il y a un stand Gillette où tu peux te faire raser devant tout le monde. Oh yes, c'est super. J'y vais. Allez, salut hein. C'était bien. C'était pas mal. Non, et mais je sais que demain. Un espace Twitch. Un espace Twitch. C'est à Twitch. Un lounge. Ah, je crois. Normalement, j'y suis oui. Pas allée. Normalement, vu qu'on a le match partenaire. Moi, j'avais un truc Twitch là-bas, mais en fait, c'est des bornes en fait. Non, il y avait un lounge. On peut demander un sac à dos justement. Un sac à dos violet dédié au partenaire. Autre que le sac pourri qu'on a eu hier, ouais. Tu sais. Oui, il y a plein de gens avec des. Bah, des tu vois, la meuf là, juste en face là. Ouais. Voilà. Et bah, ça, il faut le demander quelque part, mais je sais pas où. L'architecte là en plus. Ouais. Il y a plein de gens qui l'ont. Bah, je veux moi. Bah, ouais. Moi, je veux moi. Tu restes là, ou je suis bien. Tu vas où? Je vais aller faire le tour et je vais sûrement aller fumer aussi. Je veux pas fumer là. Tu sors pas dehors? Non. C'est comme tu veux. J'étais en train de faire un Isaac, mais je peux arrêter de jouer. Ça change pas grand chose, tu sais. Aussi à ma gande! Aussi à ma grande. Oh, le tier 3. Hein. Le tier 3, incroyable, j'ai même pas pu passer. Mais du coup, il n'y a pas mes animations, c'est dommage. J'avoue. Il n'y a pas mes animations. Merci à Rondal FR également. Aka Subgift. À Darkyuto62, merci à toi. Pilation gratuite. Non, je crois que c'est Rada. Il y avait un mec, tu sais, il avait la cape à partir de là, à partir du cou.
Très bien. Je m'en sers. Ah mais oui, c'est vrai que t'as le pouf. Il avait l'espèce de truc, et je sais pas, t'avais genre 15 personnes qui étaient en train de le filmer, et le mec, bah, il se faisait raser par une meuf random. Ah, j'ai hâte de voir tous ces stands. Ouais. C'est Francis Moustache. Bah, réuni IRL, incroyable. Bah, à défaut de pouvoir le faire chez moi. Très heureux de fêter mes 3 mois de ce semaine, un sujet qualitatif. On essaye, Francis Moustache, merci à toi. Bah ouais, c'est ça, tu vois. Ça me manque, moi, le. C'est quand le stream chez Dame Dame? Bah. Quand tu peux. Le truc là, c'est que moi, le mois prochain, j'ai la Zilan, hein, et j'ai joué à 2 jeux sur les 10. Tu fais la Gamers Assembly? Pas sûr. Pas sûr? Ouais, c'est dans une semaine et demie. C'est dans une semaine? Ouais, c'est bien. Note sûre. Non, parce que. Si tu peux venir ce week-end là, si tu veux. C'est quand? Bah, c'est le week-end prochain. Bah, ouais, peut-être, ouais. Bah, ça en va. Faut que je vois les prix, tout ça. Parce que là, bon. Ça sera cher. Ah ouais? Ça sera cher, mais on peut faire une donation bar. Non. Non, mais on verra. On veut Zulo et Clito sur PUBG à Berlin, c'est pas possible. Bah. Non. Là, il y a que. Bah, moi, j'ai mon poste. Moi, j'ai installé un poste de stream dans ma chambre d'hôtel, en fait. Ah! Elle est bizarre. Mais non, mais bizarre la madame. J'ai ramené tout mon matos avec un câble HDMI. En fait, j'ai relié sur la télé de l'hôtel. Ce qui fait que je me suis fait un énorme double screen comme ça. Elle est bizarre la dame. T'es en vacances sinon, hein, tu sais, c'est les vacances. Mais non, c'est pas les vacances, putain. Donation bar, moi je me prends. Mais non, mais sans blaguer, bah, non, parce qu'en fait, je crois que ma copine n'est pas là et elle revient que dimanche soir. Si tu veux venir, je sais pas, à partir de jeudi, vendredi, jusqu'à dimanche, moi, y a pas de soucis. Hein. Tu rentres quand, là? Lundi? Mardi, je crois. Ah, mardi? Je crois. Faut rester jusqu'à mardi, hein, à Berlin. Je suis pas sûre. Je sais pas ce que je fais de ma vie, dame. Je suis perdue. C'est pas moi qui ai pris les billets d'avion. Arrête de parler proche comme ça, ça sert à rien, les gens nous entendent. Arrête! Les gens nous entendent. Arrête. J'arrête. Vous m'entendez, là? Est-ce que vous m'entendez? Oui, ils t'entendent. Donc, après, enfin, que tu rentres mardi ou lundi, voilà. Ils m'entendent pas, regarde. Parfois. Non, mais c'est arrêtez. Allô? Arrêtez. Non, mais je vais me faire insulter, il y a d'autres gens, hein, vous savez. Regarde, on voit bien ta barre, là. Ah, c'est vrai? C'est rouge, même. On t'entend, mais pas très fort. Non, mais arrêtez. Pire remote. Ouais, non, donc ce soir, soirée PUBG, je me suis déjà plainte. Ah ouais, pourquoi? Parce que je trouve qu'ils aident pas assez les partenaires qui jouent encore à leur jeu. Et ben moi, je discute pas mal avec Yva en ce moment. Ouais, mais apparemment, c'est pas de leur faute, c'est pas de la faute de Yva, c'est de la faute des grandes instances qui donnent plus de clés et tout ça. Parce que tu sais, les giveaways, là, c'était ridicule. Genre, c'était des level pass. Des levels. Ouais. Genre, en fait, tu giveaways des trucs aux gens, mais il fallait d'abord qu'ils achètent le pass. Enfin, je veux dire, ça leur coûte rien de nous donner un peu de dépasse, tu vois, à leur partenaire. Enfin, je trouvais ça. Et apparemment, c'est voilà, ça négocie. En tout cas, moi, j'ai gueulé. Toi, t'as gueulé carrément. Et là, ce soir, tu vas les voir. Ouais. Bah, l'alcool gratuit et la bouffe. Mais t'as gueulé en mode vénère ou Parce que moi, non, mais en mode, je lui ai dit quand même, on a fait le 4TK là. Il y a Logitech qui nous a donné 4 casques. Et PUBG qui nous a dit « Ouais, en fait, c'est compliqué, on sait pas trop, même pour des vieilles clés et tout. » Enfin, je veux dire, alors que t'organisais tout, qu'il y avait mis dans tous nos streams, on avait plus de 1000 personnes. Ben, en fait, moi, je suis pas mal en contact avec donc Yva et un autre gars, je sais plus comment il s'appelle. Et en fait, ils me posent assez souvent la question parce qu'ils savent que je réponds et que j'essaie de faire des mails vraiment complets et tout, machin. Et justement, là, on est censé discuter un petit peu ce soir, mais... Je pense qu'ils sont un peu dans la... Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que c'est pas eux qui choisissent là en ce moment. Je pense qu'ils ont un peu la tête dans le guidon avec la claque d'Apex. Je pense. Ouais, mais du coup, ça coûte rien de donner des... Tu vois, ouais, mais si à côté de ça, le jeu marche un peu moins bien et qu'il y a moins d'intérêt, ils ont aussi moins de budget. Je sais pas comment ça marche au niveau des investisseurs et tout. Je sais pas. Mais en tout cas, c'était pas, vraiment pas cool que pour le KTK, on ait rien eu, aucun soutien de PU, alors que voilà, on est des
les streameuses qui jouent au jeu et qui font vivre un peu le truc. Donc, ça s'est bien passé, le KTK? Ouais, c'était super. Je suis passée vraiment en speed, je vous ai vu tuer des zombies. Franchement, c'était super. Ça, c'est... Toutes les games étaient rigolotes, on en a gagné une, tu vois, donc ça fait plaisir d'en avoir gagné une, mais en même temps que les zombies gagnent aussi, bon voilà, c'est cool. Et il y a eu des beaux vainqueurs. Ouais, non, ça, c'était full en 2 secondes et demie à chaque fois et tout. C'était bien. Ouais. C'est des gens que vous connaissiez du coup qui étaient dans Ouais, on reconnaissait les pseudos. C'est cool. C'était bien cool. Mais je pense qu'elle va en refaire du coup, et c'est Margot qui organise ça, hein, et elle appelle des sponsors et essaie de faire gagner. C'est des chouettes opportunités. Vous êtes partenaire avec Logitech ou pas? Non. Vous voulez le contact, ça? Ah ouais, moi je veux bien. Je vais lui filer le contact. Le gars est assez cool. En fait, on en parlait avec Grégol. Bah, je te dis, il nous a envoyé le 4K direct et tout, en mode c'est super ce que vous faites. Parce qu'en fait, Grégol, il est partenaire avec Logitech. Je l'ai pas vu lui encore. Il est dans le coin, il est dans les trucs musicaux en fait. Ouais. Et en fait, depuis une semaine même pas, il est partenaire Logitech. Et en fait, on avait cette même réflexion. Je te disais, bah en fait, moi c'est pareil. Logitech, c'est la seule marque qui a accepté de bosser entre guillemets avec moi, tu vois. Et en fait, je lui disais, mais je pense que vraiment, c'est une des rares marques de hardware en France qui vraiment s'intéresse au profil particulier, au contenu un peu particulier. Et tu proposes un concept déjà fait, déjà établi, même si c'est un jeu mainstream, mais c'est vrai avec des grands guillemets, bien sûr. Je pense que c'est plus ça qui les intéresse, tu vois. Plutôt que, tu fais pas 3000 viewers, va te faire, tu vois. C'est souvent ça, en fait, avec les marques. Donc, je sais pas. Après... Non, puis c'est bien. Enfin, Logitech, c'est bien, tu vois, c'est pas... Je pense. Allez, c'est full, t'es full corsaire, là, niveau... Ici ? Ouais. Bah ouais, parce que je pense qu'en fait, c'est Intel... Mais après, je sais pas, vu qu'il y a le stand Corsair à côté, peut-être que... Ouais. Des vins, c'est bon. Je pense que niveau alcool, on va doser. Hier, j'ai réussi à pas trop boire. Ah ouais. J'ai bu 2 bières et. À quelle heure tu t'es couché, Zul? À 2h30. C'est bien. Pourquoi? Ah, je me suis couché un peu plus tard. Mais t'as encore bu toute seule? Non, du tout. Mais non, parce qu'en fait, j'ai mis beaucoup de temps avant de rentrer. Ouais. Et en fait, au bout d'un moment, ça me saoulait, tu vois, à l'hôtel. Et en fait, je redescends et là, je croise MV. Qui était pareil, tout seul, en mode il y a des icos qu'il fallait dans un bar et tout. Et en fait, on est allé avec des icos que je connaissais pas, des streamers américains et tout. Et on était genre 4. Et Mermaid et tout ça là? Ouais, Mermaid Unicorn et Pax et. Ouais, Waxwing. Waxwing Music. Qui est excellent. Je lui ai parlé hier. Je lui ai parlé, il était trop sympa. Et en fait, il y a Grégols qui était dans un autre bar avec d'autres gens, et en fait, ils nous ont rejoints après. Et en fait, quand on est rentré à l'hôtel vers 3h du mat, un truc comme ça, en fait, il y avait plein de staff Twitch qui étaient dans le hall. Et en fait, on a discuté jusqu'à 5h et quelques. Bah voilà, t'as passé au final, tu me disais c'est l'ennui et tout. Ça a été pour rentrer. C'est quand je me suis rendu compte que j'étais la seule qui restait parmi la team française et qu'il y avait une file d'attente de 50 km pour aller au taxi. Ça, c'était chiant. Ah oui, le taxi, nous, on m'a tout de suite filmé. On a été les premières à prendre un taxi. T'as pas vu le stream que j'ai fait cette nuit? Bah non. J'ai fait un stream qui a duré 3 minutes. Ah! C'est le stream le plus court et le plus intense que j'ai jamais fait. Et c'était quoi? En fait, c'est Mermaid Unicorn. Ouais. On était dans un bar à cocktail, un peu vintage et tout. Et en fait, elle a repéré un micro un peu comme ça, tu vois, mais genre pareil vintage et tout. Et elle dit en partant, à la fermeture du bar, elle dit « Ah, il n'y a pas moyen de faire une chanson. » Et en fait, elle a chanté en a cappella La Vie en Rose, avec un accent québécois, tu sais, vu qu'elle est canadienne. C'était surréaliste. Les gens se sont immédiatement tués dans tout le bar. Ils étaient en mode mais. C'était incroyable. Et il y avait MV, il y avait Waxwing qui était là et tout. Et à la fin, t'as MV qui fait ah, bien sûr, Twitch.tv, slash Damien Bye, double code sub. Ça a duré 3 minutes. J'ai lancé Streamlabs. Ouais. Et à la fin, on sort du bar et je coupe les streams. Je voulais pas que les gens sachent où on est non plus, quoi. C'était trop bien. Cette meuf, elle est complètement jetée. Mais c'est trop bien aussi. Ouais, je lui ai parlé vite fait aussi hier, mais j'avais du mal. Tu sentais qu'elle avait du mal à se concentrer sur une personne, un truc. Je pense qu'elle est un peu hyperactive. Clairement, ouais. Et c'est fun. C'était incroyable, ouais. Il y a eu, je crois que j'ai eu 30 viewers. Ah ouais? 30 viewers et un sub. Je crois que c'est le stream le plus condensé. En même temps, j'ai jamais fait bien pas et tout. C'était lancé à 2h du mat. Voilà. C'est trop bien. Ce soir, on a le droit de streamer ce soir ou pas? C'est PUBG? Ouais. J'en sais rien. Twitch, on n'avait pas le droit. Mais PUBG. Oui, c'est pour ça qu'on n'a pas streamé hier soir à la grande soirée PUBG. Il n'y avait pas le droit. En fait, c'était interdit.
pense qu'ils avaient peur qu'il y ait des gens raides à chier qui rentrent dans leur vomi. Ouais, ouais, je pense aussi, ouais. Donc ils avaient honte de leur soirée, peut-être. Peut-être. Who knows? Who knows? Bon, comment ça va la santé, toi? Je reviens un peu sur le terre-à-terre, mais... Là, cette semaine, tu te sens... Ça va? Ça va, oui, oui, ça va. Bah, j'ai eu mes règles là, et du coup, ça va à peu près, mais... J'ai mal partout, enfin c'est pas ouf hein, ouais. De toute façon tant que là j'aurai pas de traitement ça va être très très compliqué d'enchaîner les trucs. Pour baturer toujours un petit peu ou pas? Ah ouais, j'ai mal partout. J'ai l'impression d'avoir 80 ans. Ah. Très problème, il y a un mec qui nous prend en photo. Il vient de se barrer mais il y avait un mec qui nous prend en photo. Je pense que vous l'avez vu sur le chat. On aurait dû se retourner faire un petit doigt. Non. Ah oui pardon. J'ai cru que t'allais montrer ton cul. Tu commences à faire Alors je redescendais la jupe. Oh. Franchement, se faire ban de Twitch sur un box Twitch, ça serait ouais, quand même cool. C'est vrai. C'est comme le jour où c'est tentant quand même. Hein. C'est comme le jour où j'étais en front page Twitch et que j'ai ban un admin. Ah ouais. Parce que le mec il a posté plusieurs liens, le lien du tweet qui annonçait. Mmh. Et sauf que mon bot quand tu postes plusieurs liens et que tu essaies d'insister, bon, en fait il ban pendant 20 secondes, il y a un admin qui s'est fait ban. Désolé, on vous aime Twitch, on est là. Oui, non, mais bien sûr. Oui, bah non, bah du coup, t'as passé une meilleure soirée que moi parce que nous, on est allé à un bar, c'était sympa. Il y avait plein de monde, il y a plein de Français au final. Mais est-ce que c'était des Français cool? Bah, moi j'ai beaucoup parlé à Chicheyou, Petit Avion. Ouais. Voilà, ils sont gentils. Ouais. C'est parti des gens. Je connaissais pas du tout Chicheyou par exemple et on s'est super bien entendu. Ouais, je crois que c'est une des premières fois que je lui parle en fait. Ouais, moi aussi je lui avais jamais parlé. Je connaissais pas plus que ça. Et sinon, de toute façon, on n'est pas resté longtemps parce qu'au final, on est arrivé. Il y avait 2 heures où on pouvait conso et tout. Après, on ne pouvait plus. Ça, je n'allais pas rester assise. Je me suis dit autant se préserver pour les soirées où on serait tous ensemble et tout. Parce que j'ai bien vu qu'au final. De toute façon, ça va être. Moi, je t'avoue que hier. En fait, vous m'auriez juste prévenu que vous partiez, je serais venu avec vous direct. Mais en fait, je croyais que tout le monde. C'est Twitch FR qui a dit à tout le monde on va au Monkey Bar, les Français vont au Monkey Bar pour se réunir entre eux et tout. Non, mais c'est pas grave. De toute façon, ce soir, il y a le truc Pumpsy, demain soir, vous faites quoi? Bah, rien. Vous savez rien? Non. On se la met. Ouais. Ouais, demain soir, on est libre comme l'air. J'ai une petite collection de bouteilles dans ma chambre. Ouais, j'ai vu. Tu veux venir? Ah bah écoute, mais je te dis, moi, je suis tellement une fragile aussi, c'est ça le problème. Une fragile de quoi? D'alcool? De l'alcool. Ah, mais pourtant, quand on était chez toi, c'est vrai. On a bu toute la nuit sans problème. Ouais, mais parce qu'on avait mangé voilà. À la fin. Et c'était des bons trucs. Oui, bah hier, j'ai rien mangé. Mais on peut se faire quelques bières ce soir, y'a pas de soucis. J'ai acheté quelques bières. Ouais, j'aimerais bien voir l'hôtel. Ouais, sûr. T'as ton maillot ou pas? Non. T'as pas pris de maillot? Non, je... T'as une piscine dans ton hôtel. J'ai une piscine dans mon hôtel. Je t'explique. T'as pas pris de maillot? J'ai fait ma valise un peu vite. J'étais stressée le matin. Le maillot, en fait, je l'avais lavé parce que c'était la première fois que je l'achetais. Du coup, j'ai jamais pensé à le sortir de la machine quand il était fini de... Bon, bah, je te propose pas d'aller à la piscine, du coup. Bah, je vois pas trop comment... Quelques binous, ouais. Après, tu peux acheter un maillot, il y a plein de magasins. Ouais, mais faut le laver avant, attends. Moi, je mets pas un truc. Tu prends le bac, je sais pas, tu prends du gel douche, tu prends ton évier, tu fais flash. Tu fais flash. Quelle princesse. Oui. Non, mais je sais pas ce soir. Bah, de toute façon, moi, je vais me changer avant d'aller à la soirée Pumpsy. Et ouais, j'aimerais bien avoir un coup tranquille en fait avant d'y aller. Parce que là-bas, ça va être boum. Bah, ouais, c'est ça. Comme hier, quoi. Ouais. Ouais, ce soir, ça va être son plein pot, ça va être compliqué de parler aux gens. Moi, je suis pas fan trop de ce soirée-là. Là. Salut, Melly Cake. Salut, Melly Cake. Donc, ouais. Bah, si, on va essayer de faire des trucs. Bon, est-ce que je finis ma partie Isaac ou pas? Ouais, bah, je vais aller chercher le linge, le sac à dos, ouais. Ah bah tu me diras comment faire pour la vente. Je me demande où c'est, mais normalement, il y a un endroit, comme à la game... C'est pas le stand Twitch Prime? Parce qu'il y a tout au fond là-bas, il y a un stand Twitch Prime en fait. Bah, ça me paraît bizarre parce que. Enfin. Le problème, c'est que t'as pas de map en fait, t'as pas de plan. Mais oui, c'est... qui fait ça? Un staff. Ouais, je vais lui demander. Tu m'en as un staff. Bon bah, je vous fais des bisous. Tu veux qu'on se voit après quand j'ai fini le live? Bah ouais, essaie de me retrouver au lounge, au café, truc. Bah dis-moi où c'est, moi je finis à 16h30. Bon, ça marche pas ça, mais. Ouais. Moi je finis à 16h30, à 45 en gros, je serai dehors, le temps de discuter avec 2-3 personnes.
Donc tu me dis où tu es et je t'envoie. Avec plaisir. Des bisous. Oh, j'ai croisé Hey Guys, la meuf de Twitch. Regarde, l'emote Hey Guys. Ah oui? Ouais, elle est là. Ah, celle qui fait... celle qui fait ça. Ah et oui, elle lui ressemble vraiment. Et en fait, j'étais en train de streamer tout à l'heure. Et je vois une fille avec un... Elles étaient deux avec un truc violet. Ouais, tu vois, elle. Oui, oui, et en fait, oui, oui. Je la croise comme ça, elle regarde la caméra, elle fait... type comme ça, tu vois. Et je lui dis, mais putain, c'était Hey Guys. Je sais pas comment elle s'appelle, en fait. Moi, je fais tout le temps ça. Faut trop qu'on la retrouve et qu'on fasse une photo avec, quoi. Et qu'on fasse une photo comme ça. Elle, ouais. elle a des cheveux, mais trucs de ouf, tu vois. Elle a vachement pas exactement comme Emote. Elle ressemble exactement. C'est une indienne, non? Je sais oui, pas, c'est ça. Ouais, elle est un peu mate de peau, mais... Ouais. Elle a des cheveux de ouf et tout, et elle était là tout à l'heure, quoi. Et je voulais voir Kappa, moi. Kappa, il était à la TwitchCon de San Diego. Ah. En fait, ils y étaient tous. Il y avait Trayex, Kappa, ils ont fait tous des photos avec leurs têtes respectives d'Emote. Moi, j'ai pris les pimps pour la commu. Je vous enverrai des petits pimps. Et est-ce que t'as envoyé les goodies PUBG de la fois où j'étais chez toi? Bien sûr. Là, c'est en cheminement entre ma mère et moi. Sérieux? Et du coup, ils vont être postés, bien sûr. Oh, come on! N'hésitez pas à participer à nos giveaways. Bon, j'y vais. Ah, c'est ça, casse-toi. Tu pars dans la dignité. Je pars. On fait une photo dans le box quand même. Attends, j'en ai mon manteau. Ah, la classe. J'essaie de te juger un peu. Elle peut pas me juger. Comme ça. Attends. Ah. Je suis pas prête, non. J'étais pas bien. Ah, on dirait que je vais vous faire un truc. Ah, la baisse. Oh, photo. Tu juges. Ça me juge. Ouais, j'aime bien. Ouais, c'est bien. Nice. Oh là là, elle est méga bonne, hein. Cette brune, là, quand même. Qu'est-ce qu'elle fait, célibataire? Ouais, enfin... Alors, sachez hein, qu'il faut venir à la TwitchCon uniquement, parce qu'il n'y a qu'en France hein, qu'il y a des meufs pas ouf, tu vois, enfin voilà. dans tous les pays, là, mais à la soirée d'hier, il n'y avait que des meufs méga bonnes. J'étais là, mais c'est un concours de mannequins. Les Françaises sont bien aussi, arrête. Bien sûr, les Françaises sont bien, notamment les Karen Rosélise et Dame Dame Live. Des bisous. Je baisse ma... Ouais, baisse ton froc, ouais. Enfin, je veux dire, ouais. Pas qu'on voit mon cul. Allez, à bientôt. Là, très bien. Oh, c'est dur. Elle a laissé son pouf. Bah, moi aussi, je l'ai laissé. Bah, remets-le dehors, non, peut-être. Ok, merci. Allez, salut. Des bisous, tout le monde. J'ai cru qu'elle allait me foutre une grosse tatane. J'aurais aimé ça aussi. Bye bye, à demain. Bon après-midi. Oui, moi je stream demain. Ah, elle est bien énervée quand même, hein. J'ai remarqué. Alors attendez, je vais remettre le son du. Je remets le son du casque. Ah, bah, c'était bien sympa. Toujours aussi sympathique, Gomard et Zul. Bon, alors apparemment, ce soir, on se la donne grave. Merci beaucoup, Captain Button, pour ça. Alors attendez, quelle heure il est exactement? Parce qu'au final, elles ont pas mal de... Putain, mais elle a laissé des cheveux partout. Putain, mais elle perd... Mais... Oh, incroyable. Quelle heure il est? 15h46. Donc ça veut dire qu'il nous reste 3 quarts d'heure pour potentiellement finir un run Isaac qui a mal commencé. J'ai croisé Bia Gip, ouais, on a fait des photos que j'ai pas postées, effectivement, ouais. Alors... Où est-ce qu'on en était? Où est-ce qu'on en était? Ah! Il y a la musique, il y a le son. Est-ce que vous m'entendez bien ou pas? Allô? Test. Ouais, là normalement vous m'entendez. Ah non, le son vous l'entendez beaucoup moins, je pense. Attendez. Je mets le son un peu plus fort. Le son du jeu. Ok? C'est parti, on se casse. C'est mon carillon. Bon, merci à tous en tout cas d'être dans le coin. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah ouais, d'accord. Ok, parfait. Ok. Qu'est-ce que quoi? Pourquoi ça met en pause? Ok. Donc on avait... petit résumé des épisodes précédents. Donc on avait chopé un Lil Monstro, un Lil Steven. On a le conjoint qui tire... on a l'araignée aussi, la Spider. On a 5,86 DPS. Une bonne cadence, hein, pas trop dégueulasse. Par contre, on n'a pas de clé. Alors ça, c'est chiant. Attends, j'avais pas vu qu'on avait pas de clé.
Ça, c'est un plan cul. Ça, forcément, Zul se pointe. Oh là là, je vais mourir. Oh non, je vais mourir, c'est pas possible. Attends, le caca noir. Quel enfer. Alright. Ah oui, du coup, vous avez les barres de vie grâce à la spider. Ça, c'est chouette, ça. Ok. Ok. Il faudrait qu'on essaie de maxer les familiers, en fait. Ça pourrait être une idée. Dire bonjour au monsieur derrière toi ? Je la connais pas. Je lui dirai bonjour plus tard. C'est vrai que c'est pas mal aussi d'avoir les points de vie et tout. Ça commence à être le bordel. On a une clé, on va tout de suite... Non, attendez. Je vais d'abord recharger ma barre à fond. Enfin, les mecs dans le box à côté, ils gueulent de ouf. Ah, les creeps. Ça commence à être le bordel, là. Ça commence à être le bordel. On va tout de suite aller dans le... Dans la salle d'items. Qu'est-ce qu'on a? Plus un sous l'heurte. Bon alors, les joueurs d'Isaac, là, il faut m'aider. Je suis pas à mon avantage vu que je joue au clavier et pas à la manette. Reroll ou pas? Allez-y. Est-ce qu'il pleut? Je crois qu'il neige. Ce matin, il neigeait, en fait. Enemy bullets have a chance to be deflected. C'est pas si mal. Oh, le mec à droite, il gueule. Hein. Je pense que vous l'entendez, mais... C'est moyen, mais ok, tiers. Bon, allez, on va tester. Je vous rappelle qu'on a que 3 quarts d'heure pour finir le run. Ou pour mourir très vite. Ah, je vais pas la prendre tout de suite. Ah, oh, fuck. Le mec à ma droite, du box, je sais pas ce qu'il fait, mais il gueule de ouf, quoi. Comment je suis censé les péter, attends. Oh, quel enfer. Attends. Allez, venez. Ok. Combien j'ai de sous? 6 thunes. Si vous voyez des rochers marqués, vous me prévenez. I'm counting on you, buddy. Ok, des bombes. Oh là là, des rochers marqués. Je vais essayer de diriger le Little Monstro. Ce qui est bien, c'est qu'ils tirent pas... Ah si, ils peuvent dropper une mouche au moment où ils meurent. Bordélique comme build en fait. Hein. Je suis relativement confortable, mais c'est un petit peu bordélique quand même. Ok, le petit cœur rouge qui fait plaisir. Rocher marqué ou pas? Allez, observateur, rocher marqué. C'est Zerator, non, je crois pas. Il me semble que Zerator est pas venu. Hein. Il me semble pas. Hein. Bon, en vrai, Zerator a rien à faire dans un event comme ça. Le mec, il est déjà au sommet du game. Il est plutôt concentré sur ses événements, je pense. Et grand bien lui fasse. Ah ouais, mais attends, là je suis obligé de prendre les creeps. Qu'est-ce que c'est que ce build à la con? Non, c'est bon. Move quickly the spiral pattern. Alors ça c'est complètement con, je vais sûrement pas prendre cet item. Oh fuck! Ok. C'est quoi? C'est le shop? J'ai pas de clé. Putain, j'ai pas de clé. Mais comment je me démerde? À quel moment j'ai gâché toutes mes clés? Ok, on a 3 batteries par contre. Hein. Zerator n'est pas Bella, ni Dash. Ouais, non, mais c'est ça. Les boss ne sont pas venus. Ils n'ont pas besoin de ça. Ce qui est vrai en plus. Ah, fuck! Fucking fuck!
combien j'ai de cœur? Attends, 2,5. Ok. 3,5. C'est correct. This is correct. En fait, on a deux batteries plus une charge complète pour le Space Bar item. Franchement, il y a moyen de pas mal reroll l'item du boss. On va voir, on va voir. Duplicate your head hurt near the healing effect. S'il peut être utile. Chariot, il sert à quoi? Je me souviens plus, attends. Chariot, c'est... Invincibilité plus contact. Ah ouais, chariot, c'est vénère. Chariot, c'était vénère. Crochet marqué dans la grande salle est en bas à gauche. Ah ouais? J'ai pas vu. Crochet marqué dans la grande salle en bas à gauche. Attends, attends, attends. Ça. I wanna take it. Ça. Ça. À gauche. Ah ouais, putain, t'avais raison. La bombe, c'est quoi? C'est ça. Ok. Ah! Ah bah j'ai pas de clé. Voilà. Très bien, merci à tous. Ah, come on. J'aurais pu trouver une carte bombes acquises. Ça aurait été... Et Brimstone lui, je crois. Hein. Ouais. Brimstone totalement. Il brimstone en latéral, je crois. Je sais plus. Potentiellement, il est agressif. Hein. Ok. Ok. C'est pas trop mal passé. Ok, alors ça je le prends. Bon, évidemment, le Devil Deal, on s'assoit dessus. C'est pas ouf. Damage up, shoot speed up. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Je vais prendre ça et tout de suite recharger ça. Off. Et du coup, bah, c'est ok. Je vais pas au shop. Il y a une clé dans une salle? Où ça? Salle de défi. Pff. Ouais, on peut essayer. Ouais, ouais. Non, attends, ça c'est le shop. Ouais, elle est à l'autre bout, mais ouais. Après, je me déplace vite, je suis à 1,70 de toute façon. Ah oui, non, ouais, mais je peux pas la prendre. Faudrait que je sacrifie un cœur pour la prendre. Ceci dit, j'ai un cœur qui m'attend là-bas. Je regrette rien. Très bien. Elle est où la salle de défi? La salle d'item, on était allé en toute façon. Bah, si? Oh là là, je me souviens déjà plus. Mémoire impeccable et imprenable. On peut peut-être se taper les pilules, hein. On va se faire ça. Range up. Ok. Ça. Range up. Ça. Ambrosie. Bombes acquises. Ce qui fait du 1-1, donc ça change rien. Faut que tu sois full life. Je comprends pas ce que vous me dites. Je comprends pas ce que vous me disiez. Attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter. Ah, je vous rappelle que je suis pas très doué moi sur ce jeu. Il est où le coffre que j'avais fait apparaître? Il était... J'ai fait apparaître un coffre tout à l'heure, il était où? Bah, parce qu'il y a quelqu'un qui me dit qu'il faut être full life. Pour la salle du défi, il faut que tu aies tous tes cœurs pour qu'elle ouvre. Ah ouais, donc faut que je retourne à la salle du boss. Ok, ça, off. Ah c'est vrai que j'ai 16 gold hein, du coup. 16 gold, ouais, 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 ah il est là.
Citra, j'ai envie de le prendre, mais d'un autre côté... Ok. Je regrette un peu, mais pas trop. Ok, ok, ok. Parfait. J'ai plus de clés, mais je suis pleine de thunes. Ah, tchoum. Ça le défi. Ça le défi, parce qu'on va peut-être récupérer une clé là-bas. Who knows? Salut, Choco-chan. Le climat, ça va. En vrai, ça va. Il fait frais, mais voilà, j'étais à Montréal le mois dernier. Enfin, il y a 2 mois, là, donc... Ah ouais, mais alors ça, c'est ballot, ça. Oh, fuck. On va essayer de passer comme ça. Oh là, oh là là. Ok. Ok. Oh putain, môme. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Putain, aucune clé, j'hallucine. Bon, au moins, j'ai pas perdu de vie, j'ai juste gagné un peu de thunes. Ah, pourquoi pas. Écoutez, c'est un étage qui fut pénible, mais on a progressivement augmenté notre stuff, ce qui n'est pas si mal. Il faisait plus tard. Ah ouais, non, mais j'avais regardé la météo ces dernières semaines. Je sais qu'il y a 2 semaines, il faisait super chaud. Il faisait le même temps qu'à Montpellier, en fait. Ok. Ah, oh, salle d'arcade. Attendez, on va déjà faire ça. Les coulisses sur le Twitch. Ouais, ouais, ouais. J'ai pris pas mal de... I can see forever. Salle d'arcade. Ok. Il y a un mec qui hurle en américain à côté là. Oh fuck. Et voilà, je me retrouve avec plein de thunes, mais sans shop. Ce qui est bien, mais pas top. Ok. J'étais sur le point de dire Brimstone, hein, je crois. je vais garder ce cœur entier pour plus tard. Ah non, lui il fera rien, c'est ça? Sac à puce. Ok. J'ai tellement pas l'habitude de jouer avec les musiques du jeu, quoi, c'est trop bizarre. Ok. On va y aller progressivement. Hein. Ah fuck! Ah, je pensais pas qu'il ferait ça. Ok. 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 Je les aime pas du tout, ces ennemis-là. Il s'y fout, lui. Il est paralysé. Paralysis. Je vais retourner prendre mon cœur. Go gamble une clé. Ouais, mais alors le gamble, ça marche surtout en théorie. Hein. Enfin, franchement, moi, le gamble, à chaque fois, je crame toutes mes thunes et j'ai rien. Quoi. Ok, j'ai pas de clé. Ok, très bien. C'est pas ouf. Je peux pas les reroll, on est d'accord. Je pense que je vais prendre Gimpy. Si j'étais joueuse, je prendrais le deuxième, mais... Ah, je peux reroll. Ouais, Gimpy, il est bien, et je reroll l'autre. Walking in a circle, c'est de la merde.
Ah, c'est de la merde, ça. Ok. Les shrirolls. Je veux une clé. Putain, là, il y a des clés. Je peux pas y aller. Now, it's my chose. Ah ouais, d'accord. Et du coup, il a droppé. Putain, merci, Gimpy. Merci, Gimpy. Grâce à toi, je retrouve ma dignité super secrète. Exceptionnel. Des pilules. Ok, le warp. I'm drowsy, on s'en fout. Full health. Bon. Bombs are keys. Oui. Bombs are key. Et I can see forever que j'ai déjà utilisé. Du coup. Du coup. Sale item et pyrole possible avec ma jauge. Ouais, Gimpy carry bien. Hein. Elle est où la sale item? Non, elle est là-haut. Alors, sale item. Friendly explosive exploding fly. Alors, je me. BFM, je crois que c'est bien. Je crois que c'est pas mal. Je suis même pas sûr. Quelle heure il est? 16h04, il nous reste 25 minutes pour finir ce run. Faut chercher les deux clés, mais ça changera rien parce que je vais perdre une clé pour en récupérer deux. Ah ouais, si, en fait, j'avoue. Oh là là, mais c'est beaucoup trop technique, Trunks, pour moi, tout ça. Ok, je dépense ma clé. Je récupère deux clés. Ça, c'est cool. Je sais pas à quoi il joue, mais je sais même pas le nom du mec qui est à côté. Qu'est-ce que je fais? Je prends ou pas? J'ai peur que ça me fasse du dégât, en fait. C'est ça, le problème. Ah! Alors, ça, c'est cool. Putain, le cancer, ça, ça le fait. Yes, yes, yes. That is sick. Si au moins on arrive jusqu'à Mom, ce sera déjà ça. Attends, mais il y a une grande salle que j'ai pas faite en bas, là. Ah, vous avez vu le clip avec Mermaid Unicorn, ouais. Oh, mais c'était incroyable. Ce stream était incroyable. C'est vraiment typiquement pour ce genre de moment que Twitch est incroyable. Ah oui, c'est ça, il faut leur tourner le dos, c'est ça le délire. Ok. Ok. Ça. Bombe, clé. Ok, c'est pas trop mal. Non, jouer au clavier, c'est quand même spécial. Hein. Je sais pas. De manière générale, les joueurs d'Isaac, ils jouent à quoi? Clavier ou manette? Ah, mais c'est l'araignée qui permet le... qui permet ça, d'accord. Compliqué. Ok. Elle va chanter demain avec l'opposition Philippe Shepherd, c'est ouf. Ah ouais? Bah, MV me disait qu'apparemment, au niveau chant, elle déchire vraiment beaucoup. Bah, apparemment, elle touche sa bille. Toujours jouer au clavier? Ah ouais? Après, c'est une question d'habitude, tu me diras. Mais... un sou. Putain, j'ai 52 thunes et pas de chop. C'est ça, un patch shop, il me semble. Hein. Salle d'arcade. Ouais, je peux bomber ça, quoi, mais. Comme ça. Ouais. Le shop, j'y suis pas encore allé, c'est ça? Il est pas mal ce clavier corsaire, là, dis donc. En espérant qu'il y ait un reroll disponible dans le shop. Ok. En haut à droite. En haut à gauche, vous voulez dire, non? Ah oui, non, c'est moi qui ai mal lu. Oh putain. Ah oui, bonjour à tous, bonjour, c'est Dame Dame Live.
Très bien. Je peux pas reroll là en plus. Tout ça là, je peux pas le reroll, on est d'accord. Si. J'hésite à prendre le cœur. Ouais, parce que le Detonate Initiate, je suis pas sûr que... Et le boss, il est où? Il est là? Je peux me faire ce coffre, en vrai. Ok, plus de sous. More tunes. Aïe, sec! Ça va le faire, ça va le faire. Pas ? J'ai marqué, hein, vous inquiétez pas, je l'ai vu. Ça n'en finit jamais ! Thanks my fucking god. Je peux pas reroll ça ? Je dis ça comme ça, mais... Ok. Ah, bah dites-moi, c'est de la merde. Après 50 pièces, je peux boire la machine des dons. Ah bah j'aurais pu faire ça si tu étais intelligent. Si seulement j'y avais pensé. Qu'est-ce qu'on fait? Alors attendez, regardez où le post-it. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse sur le post-it? Sachant qu'il est 16h10, il nous reste 20 minutes. Alors que fais-je? Que fais-je? Qui sois-je? Dans quelle étagère? Je sais pas quoi prendre. On fait pif-pif. Pif-pif. Ça sera toi que je prendra. Allez, on part là-dessus. Je ne sais absolument pas pourquoi, parce que le hasard en a décidé ainsi. Alright. Oh. Bombe? Ah non, j'ai plus de bombe. Dommage. Compliqué. Je suis pas si overkill que ça. Je suis à 7 en DPS, tiens, j'avais pas vu. Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je comprends rien! C'est quoi ces patterns? Oh là, voilà, je vais mourir. C'est quoi, il faut lui tourner le dos, c'est ça? Catastrophique. Ok. Ok. Très bien, plus d'argent. Oh, t'imagines un money égal power là? Ça c'est le genre de truc qui arrive surtout dans les films. Je vais peut-être pas faire le boss tout de suite si. Il y aura plus de shop. Ah, fuck. Je suis en train de tout perdre là. Go le boss, sinon tu vas perdre ta vie. Mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Je vais juste retourner là parce qu'il y avait un demi-cœur.
J'aurais tellement dû aller au boss. I'm regretting a lot. Oh, Death Knows! Ah, il est slowdown! Et d'où il est slowdown? Oh, fuck! Allez, meurs! Ok, cube of meat, je prends! C'est pas mal ça! C'était pas mal! Je fais l'autre étage ou pas? De toute façon, il y aura aucun item à récupérer, on est d'accord. Qu'est-ce que je fais? Je me casse ou quoi? What do you think about it? Let's go, hein? On est d'accord. J'ai quand même le cancer, le cube meat, franchement ça va quoi. Putain, à la manette là, j'aurais pu faire un pur run quoi. Oh, alors que le Curse of the Blind. Et si j'utilise le I can see forever? I can see. Eh bien, ça ne sert forever, pour ainsi dire, à rien. Parfait. Merci à tous. Il me reste donc un demi-cœur. Ça va être, comme qui dirait, compliqué. Putain, et j'avais le cœur gris qui arrivait, quoi. Oh là là, tellement compliqué. Tellement compliqué. Si seulement j'avais fait cette partie, cette exacte partie, mais à la manette, quoi. Ça aurait tellement été mieux, quoi. Alors, le problème, c'est que là, on n'a plus vraiment le temps de faire autre chose. En termes de game. Tac, tac, tac. Ouais, merci, rondelle. J'ai quand même le cancer, donc ça va. Ouais, j'ai essayé, ouais, niveau des esquives. Mais c'est vrai qu'au clavier, c'est quand même super différent, quoi. On peut se faire... Merde, j'ai mis la pub sans faire exprès. On peut se faire pour déconner en un quart d'heure. Peu. Éventuellement se faire, vous savez, un run que j'aime bien, c'est le grid de Lilith. Qui peut être sympa en fonction du starter qu'on a. Ok. Ok, je prends. I take it. Yes. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ok. Bah alors c'est marrant parce que tu vois, ça et ça, c'est des items que je ne vois que en mode grid. Je les vois jamais quand je joue au jeu. C'est ouf, hein. Sprinkler, Red 8. Ouais, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. Ça fait tellement longtemps que j'ai... Oh non! Il m'a poussé dessus. Quel dommage. Le mec qui est à côté de moi, il est littéralement en train de hurler de toute sa puissance, quoi. J'aimerais tellement savoir qui c'est. Je suis sûr que c'est un mec qui fait un max de viewers. C'est ça qu'ils veulent voir, les gens, maintenant. C'est des gens qui hurlent. Regardez The Render. Son stream marche très bien. Oh shit. Je vais essayer de faire des tout petits mouvements. Ok. Allez, meurs. Ok. Continue. Ah non, ça c'est dommage. Ok. Ok.
putain, c'est mes clés de voix en plus. Ok. Toujours pas de clé, hein, c'est ça le principe. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je me fais de l'evil deal? Je pense à crier plus souvent. Ouais, mais je suis pas comme ça. Je suis pas, tu sais, genre dès que je perds, je vais pas faire yo, fucking, je sais pas quoi là, tu vois. Fuck. C'est pas ouf comme boss, hein. No. Oh, come on. Pentagramme, c'est quoi? Damage up, difficulty chance. Ouais, allez, on va prendre ça. Comme ça, il nous reste plus qu'un cœur, c'est parfait. Qu'est-ce que je peux faire? Ok. Ok. Ah, la mama bombe! Bah, elle sert à rien. Voilà. Ah, la clé! Oui. I want a key. And I want. Potentiellement. Ouais, bah écoute, la Souja, je sais pas jouer. Mon stream finit dans 10 minutes. Voilà quoi. Bon, ça me fait mal au cœur, mais je vais faire ça quoi. Ah oh, putain, il y avait la Dolly. Quel dommage. Bon, et du coup, derrière la salle d'item, il y avait quoi? Oh, c'est pas ouf ça. Autre charge avant, ouais. C'est pas ouf. Est-ce qu'il fait vraiment du dommage? Je suis même pas sûr. Ah oui, j'aurais pu prendre l'autre clé. C'est vrai, j'aurais pu. On verra peut-être qu'il y en aura une ici, là. De toute façon, il me reste ma thune. Ah non, il me reste 5 thunes. Fais voir. Cube of Meat. Ok. La key. Merci Nénours pour le sub. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on a? Ah non. C'est de la merde. Et là, ça c'est pas mal. Ça c'est cool. Oui, je vous remercie pour votre participation. Ok. Je suis à combien de DPS? 5-19. Ah oui, mais du coup, les mecs que je charge, ils vont se dupliquer aussi. Ah, mais c'est potentiellement pété en fait. C'est potentiellement pété. Le bordel. Ah ouais, mais du coup en les chargeant, putain, ça va être super confus quoi. Par contre, on peut tirer de super loin. Mais le temps de charge, il est ouf quoi. Ah non, quel dommage. Ah non, les creeps. Naos. Ok, on enchaîne. Est-ce qu'il fait des dégâts? Allez à fond. Ok. Pile en face. Ouais, ça lui fait un peu de dégâts, mais c'est pas ouf. Ok. Wow, why do you do that? En fait, je me demande non seulement qui c'est qui est en train de streamer à côté de moi, mais je me demande aussi ce qu'il a, ce qu'il fait comme jeu en fait. Ok, thanks my fucking god. Qu'est-ce qu'on a par ici? Super. Ok. Pire idée du monde.
Ah là là. Tellement tout perdre ici. L'Hump of Coal. Ouais, l'Hump of Coal, pourquoi pas. Ça permettra de canarder à distance. Je suis de simulation posée, si ça se trouve. Oh, mais ça se trouve, il joue à Farming Simulator. Hein. J'en sais rien. J'ai 27 thunes. 27 cubes Cube of Meat. À 27 cubes. 27 thunes Cube of Meat. Ou le X-Ray Vision, peut-être. Ouais. Je pense que je vais le prendre. Check juste là s'il n'y a pas un petit truc. Non, il n'y a rien. Après le X-Ray, ouais, mais j'aurais pas eu. De toute façon, j'aurais pas eu assez de bombes. Quelle heure il est? 23. Bon, j'ai commencé en retard. Est-ce que je finis en retard? Je sais pas qui passe après moi. Je me retournerai et je lui demanderai. Qu'est-ce que c'est? Un IPCAC. Ah, mais quelle bonne idée. Oh, écoutez, hein. Foutu pour foutu, on prend l'IPCAC. Hein. Et ouais. Ah, ok. Voilà, une partie qui va finir très très vite. Ah, super séducteur, ah ouais, tu penses? Putain, IPCAC avec l'élite, je crois que c'est la première fois que j'essaye ça. Intéressant. Oh! Ceci dit, je peux tout de suite aller à l'étage du dessous. Hein. Je pourrais très bien aller à l'étage du dessous tout de suite. Chaos, c'est quoi? Pedestrial with Nodder, ok. Merci Boogiemat pour ton sub. Sub T2, merci à toi pour Fillon de Berlin. Bah, je vais essayer, écoute. Hein. Ce serait bien d'avoir Chaos. Ok. Parfait. Ok. Putain, mais en fait j'ai cru que c'était des ennemis alors qu'en fait pas du tout. Ok, très bien. C'est violent, hein. C'est très très violent. Hein. Oh fuck, no. C'est les mecs qui me sont tombés dessus. Je pouvais rien faire. Tire la gueule, hein. Fuck! La mort bientôt sur vos écrans. Compliqué, hein. Je fais pas le Devil Deal, je prends direct Chaos. Ok. Est-ce que tant qu'à faire, je prends aussi Mom Slipsticks? Non, non, attends, j'avais un demi-cœur, j'allais pas faire le Devil Deal, ça va pas ou quoi? Ça aurait été la mort de suite sur vos écrans. Moi, je vais prendre ça histoire de. Ouvre le coffre. Quel coffre? J'ai pas ouvert de coffre. C'est un coffre. Le coffre en pierre? Où ça? Quel coffre? Casse le coffre. Mais où ça? Ouvre ça. Ah, mais ouais! Bah, ça marche pas. Comment on fait? Ok, comme ça. Ok. Missing page, when getting in, it's a chance to get Necronomicon. Tu vois, il donne des cœurs dans le shop. Oh, j'ai pas tout compris, mais ok. Tu sais, je suis pas très intelligente, faut pas m'en vouloir. Ok, let's do the shit. Ok, ok. C'est compliqué parce que. Guppy Blue Flies. Oh! Oh! Oh bah, Cricket Said, ouais. Oh bah, voilà. Voilà. Écoutez, des bombes qui tapent aussi fort que ça. Ma foi.
intéressant, hein, cette histoire. Ouais, non, mais je sais bien. Bah, c'est bientôt la fin du stream, Boogie Matt. Ok. Ah, c'est foutu. Dommage, dommage, dommage. Eh ouais, mais ouais, c'est ça, j'aurais dû prendre le Guppy, enfin Guppy Blue Flies avec le Cricket Said. Mais le truc, c'est que de toute façon... Eh ouais, mais non, de toute façon, l'IPCAC serait... Enfin, l'effet de l'IPCAC serait resté. Donc en fait, en tous les cas, ça aurait été baisé, quoi. En tous les cas, ça aurait été baisé. Donc a priori... Oh. It's over? Yeah, ok, no problem. That's okay. Ok, c'est bon. Donc, bah, écoutez, voilà, comme prévu, monsieur Box Intel est venu me dire qu'il faut arrêter. Bon, écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Alors, est-ce que je vais stream ce soir? Donc, ce soir, je vous rappelle, on en parlait avec Zul tout à l'heure, c'était la soirée PUBG. A priori... en fait, on ne sait pas si on aura le droit de streamer là-bas. Parce que la soirée d'hier soir, par exemple, c'était pas possible. Merci beaucoup, Seisui, pour ton sub T3. Merci à toi, c'est vraiment cool. Je pense que le mec en bleu derrière, c'est le prochain streamer. Je pense qu'il attend très fort de venir. Merci énormément, Seisui, pour ton sub T3. C'est un truc de ouf. Merci à Magand aussi qui était là tout à l'heure. Donc, peut-être des streams à l'arrache ce soir, si on a le droit. Et il y aura sûrement Zul bourré dans un coin. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne finira pas. Dans un plan cul du ghetto. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Merci à Intel pour cette opportunité. Merci à Twitch pour tout. Je vous laisse avec un trailer qui va vous présenter des objets. C'est très important que vous alliez acheter ces objets juste après. Voilà. Merci à tous. C'était Dame la Live. Et je laisse la place à quelqu'un dont je ne connais ni le jeu, ni d'où il vient. Merci pour l'argent, à bientôt, et merci à Intel pour cette OPSP, parce que c'était une OPSP, hein, voilà. Merci à tous, et à bientôt. Think she can't get a last second clutch? Watch this. Think he can't carry his team while streaming in high resolution? All the while recording a once-in-a-lifetime win? Watch this. Think leveling up only happens in-game? Watch this. On Intel Core i7, they'll rise to every challenge. Now it's your turn. Game, record, stream.